Donc nous en étions ici. Donc moi ce que je propose c'est de commencer à aller. C'est dur de choisir. On va commencer par aller à droite. Ouais, allez. C'est le siège de l'ONBS. Depuis quelque temps, il y a de drôles d'individus qui rôdent dans le coin. Je garde l'œil ouvert, on ne sait jamais. Est-ce que je peux rentrer au moins? Oui. Bienvenue à l'ONBS, notre bâtiment est ouvert au public. Je m'appelle Sylvie, je suis la guide officielle. Je suis ravie de faire ta connaissance. Balin! Ce balayon est mon ami, il est mignon, non? Nous émettons dans toute la région de Rhodes. J'espère que la visite te plaira. Ouais, bah, je vais visiter vite fait, hein. Bien musée, tiens. De tableaux sur les murs. Moi je regarde, on sait jamais s'il me donne quelque chose. Hein. Ah, c'est un spectacle ici. Je sais pas si c'est grand ici, il me semble pas. Hein. Je pense qu'il y a 3 étages, il me semble. Alors. Ah, mais il se passe quelque chose. Bonjour, bienvenue à l'ONBS. Je m'appelle Len, je suis le responsable ici. Ravi de te rencontrer. Il y a 5 ans, quand il y a eu l'épisode des Pokémon Obscurs, des enfants ont formé un petit réseau. C'est devenu l'ONBS, qui est dirigé par mon partenaire Net et moi-même. Nous sommes convaincus qu'informer les gens est un gage de paix et de justice. Tu voulais me demander quelque chose? Je donne un message. Quoi? Le groupe ONF se sert de nouveau de ce labo dans le désert? Bien, tu dois montrer ce disque ROM à Net immédiatement. Il arrivera certainement à déchiffrer les informations qu'il contient. Elle chante. Ok, donc faut que je trouve Net. Je vois quoi il ressemble. Hein. Ah, c'est fermé là, tiens. Mais c'est louche. Ah merde, attends, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai perdu maman. Tu peux m'aider à retrouver ma maman? Oui. J'ai mis non tout à l'heure, je crois. Ouais, merci, je vais revoir maman. Ah, un tournage. Les infos. Oui bon, on sait, on parle de des voleurs et tout quoi. J'imagine. Parfait, vous travaillez. Ouais. Et moi aussi, je suis une star. C'est toi. Je suis une star, filmez-moi. Non, allez, on se casse. Tu ne vois pas que je me prépare? Ne t'approche pas, tu veux-tu? Oh là là, la personne qu'elle a, elle m'empêche de prendre l'objet. Bon bah, on reviendra plus tard. Hein. Il n'y a qu'un Muramon là. Il filme le seul ou quoi? Ah, il passe quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois bientôt passer à l'antenne, mais Candice n'est pas encore revenue. Oh maman! Candice, ma chérie! Maman! Alors voilà. Te voilà, ma puce, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je suis désolée, maman, je suis sortie de la pièce et j'ai pas retrouvé le chemin pour revenir. C'est ce garçon qui m'a ramené. Que c'est gentil, merci infiniment. Vous ne me donnez rien en échange.
Ah si, quand même, un grelouzen. Bon, ça va pas me servir à grand chose, je pense. Hein. Bon, bah tiens, je suis nul le Pokémon, je sais pas si j'ai besoin là, mais. Ah si, j'avais fait quelques combats. Un épisode d'avant, donc. Vaut mieux. Alors, ici. Je sais plus que ce serait fermé. Non, il fait pareil. Et toi, tu n'as pas le droit de te promener ici, c'est dangereux, file d'ici. Qui combe. On reviendra plus tard. Et là, là, je dirais qu'il y a une entrée, mais je peux pas. Ah bah le v'là net. Ah non, c'est pas lui en fait. Net m'a demandé de ne laisser entrer personne. Il travaille. Ah, il est dedans en fait. Comment tu viens du laboratoire Pokémon? Je ne peux pas te laisser entrer, je ne veux pas avoir d'ennui. Luc, on a de la visite? Net, ce jeune homme dit qu'il vient de la part du laboratoire Pokémon. Oui, je l'attendais, fais-le entrer s'il te plaît. Ah bien sûr, tout de suite. Tu peux entrer, Net t'attend à l'intérieur. Comme quoi il nous entend parler hein, à travers la porte. Apparemment. Bonjour, je t'attendais, tu es Eden, n'est-ce pas? Moi c'est Net. Et je te présente Adi. Ah, oh, Adi Bou. Nous sommes amis et partenaires. Enchanté. Nous sommes au courant pour le professeur Cyrus, je te tire mon chapeau. Allez Adi, c'est pas le moment de discuter. Montre-moi ce dont le professeur Cyrus m'a parlé. Eden donne le disque remanette. Tiens, j'ai déjà déchiffré quelque chose de ce genre. Bon, ça devrait me prendre du temps pour accéder au contenu de ce disque rem. Ça ne te dérange pas d'attendre un peu? Et Net, j'ai une idée. Une de nos équipes rencontre Docking sur une des Poképlaces dans le cadre d'un reportage sur les Pokémon sauvages. Comme il a un peu de temps, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas voir Docking aussi? C'est une excellente idée, Adi. Tu t'intéresses aux Pokémon sauvages? Tu devrais aller voir alors. Viens, tu me donnes ton numéro de quad, je te contacte dès que je trouve quelque chose. Eden donne son numéro de quad à Net. Merci, je vais essayer de redéchiffrer ça le plus vite possible. Au fait, Adi, où est notre équipe de tournage? Sur la Poképlace Rush, je crois. Ah, on va aller là. Allez, Eden, va sur la Poképlace et attends que je t'appelle. Qui sait, tu verras peut-être des Pokémon sauvages. Ah, des Pokémon sauvages. Ouais, bah avant, on va aller au truc qui est là-bas, là. On n'a pas à faire, quoi. La sortie. Ici. Seul, hein, il brille, hein. On voit même les reflets dessus. Ah, oh non, pas eux. Tu sais, je crois qu'on devrait partir de cette ville. Tout le monde nous connaît. T'as raison, si on s'active pas un peu, le patron va venir nous chercher par la peau des fesses. Hé, pour ça, pas de risque. J'ai caché un épéniteur sur lui. Il suffit de regarder le radar pour savoir où il est. Comme ça, pas de surprise. T'es le meilleur, GAFA. Tiens, on a reçu un mail. Il manque plus que ça, c'est le patron. Laisse-moi voir. Venez immédiatement tous les deux, il dit. Oh, c'est mauvais signe, ça. Il a l'air furax, allez, on dégage. Pff, un radar, c'est bien, mais si le patron nous poursuit par mail maintenant, comment on fait pour se mettre dans des situations pareilles? Je vais aller voir ici avant d'aller voir la place des Pokémon sauvages.
faire avec moi? Non. Il est un peu trop vieux. Il y a des vieux qui font le combat, hein. Ah, ça, ça m'intéresse. Ah, je m'appelle Marcus, je m'échauffe là. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Eh, mais c'est toi qui es sur ma route, là. Ouais, voilà. C'est quoi, là? Là, c'est le groupe, là. Mais bon, il parle encore du cocon. Je vais regarder un truc. Mes Pokémon, ils en sont où? Pokémon obscur. Ah, presque près, c'est bien ça. Ah, pas lui par contre. Et les autres. Bonjour, bienvenue. Ah, c'est pour faire les combats. Participer, allez, ouais. Ah, quoi que, je sais pas. Non, un autre jour. Voilà, merci. Bon, on sait qu'il y a un truc pour faire des combats là. Je vais aller voir sur la place des Pokémon sauvages. Bonjour à tous, ici Cathy, je vous présente mon reportage spécial. Nous vous transmettons des infos au moment où elles nous parviennent. Aujourd'hui nous sommes avec Doki, celui qui a découvert les Poképlaces. On raconte que Doki est responsable de l'engouement de florissante pour les Pokémon sauvages à Pyrite. Doki, c'est la Poképlace que vous avez découverte, n'est-ce pas? Bonjour Dawkins. Bonjour, c'est Dawkins. Oui, c'est tout à fait. Je blague. Cela fait 15 longues années que je m'éreinte en dormant un minimum à la recherche de cette Poképlace. 15 ans, vraiment? Oui. Bon, les détails ne sont pas bien importants, n'est-ce pas Betty? C'est Cathy. Très bien, je vais vous expliquer comment attirer les Pokémon sauvages sur une Poképlace. Bon, ce serait bien si quelqu'un faisait une démonstration, non? Ah, toi là-bas. Oui, toi, gamin. Ce sera parfait. Viens par ici, mon gars. Non, je me casse. Non, j'arrive. Très bien, mon petit ami. Je vais te montrer comment attirer un Pokémon sauvage sur une Poképlace. D'abord, et surtout, tu as besoin des Pokésnacks. Tiens, en voici. Bien mon petit ami, tu dois placer les Pokésnacks sur la plateforme, à toi maintenant. Bien mon petit ami, tu dois... Oui, c'est oui, c'est ce que tu viens de me dire. Si. Très bien mon gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Après avoir placé les Pokésnacks, tu peux partir. Au bout d'un moment, Pokémon sauvage s'approchera, patience. Plus tu disposes de Pokésnack sur la plateforme, plus un Pokémon restera longtemps, ce qui est plus facile pour l'attraper. Voici un autre élément important, l'écran Poképlace, mon invention. Je suis sûr que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est superbe. Incroyable, vous l'avez conçu vous-même? Oui, bon, les détails ne sont pas bien importants, n'est-ce pas Betty? Je m'appelle Cathy. Au fait, Docking, pouvez-vous nous dire ce qu'est un écran Poképlace? Bien sûr, sans problème. Mon écran Poképlace est épatant. Grâce à lui, vous saurez ce qui se passe dans les différentes Poképlaces. Tiens, mon petit ami, pour te remercier de m'avoir écouté patiemment, je te l'offre. Merci. Bon, tu es prêt? Maintenant, lorsqu'un Pokémon sauvage apparaîtra sur une Poképlace, ton écran Poképlace te le signalera. J'ai découvert 3 Poképlaces en tout. Il y en a une autre à l'ouest d'ici. Cool. Utilise ces Poképlaces pour attraper des Pokémon sauvages toi-même. Essaie, mon gars.
Je vais peut-être en mettre un peu plus. Si je peux, non, je peux voir. Si, comme ça. Bon, bah, partez maintenant. Je vais en mettre là. Je sais pas ce que c'est, hein. C'était du fromage que j'ai. C'était peut-être écrit, j'ai pas fait gaffe. C'est des snacks, je sais pas quoi. Ah, c'est toi, tu es le garçon qui nous a aidé sur ce reportage, merci beaucoup mon gars. Ok, vite. Je suis surpris que tu sois venu ici, apparemment tu t'intéresses vraiment au Pokémon sauvage. C'est merveilleux, j'ai le sentiment que ma leçon a porté ses fruits. J'ai des renseignements qui devraient t'intéresser. Mais en retour, j'ai un service à te demander, mon petit ami. C'est honnête, non? Oui. Super, merci beaucoup. Tu vois, certains Pokémon ne viennent presque jamais au Poképlace. Le Cracnoi, l'Arachdo et l'Axoloto, j'ai le plus grand mal à les attraper ces trois-là. Si tu les attrapais, je serais heureux de te les échanger contre des Pokémon à moi, Tigre. Alors, je compte sur toi. Il faut que je te laisse maintenant. Voilà, j'ai failli oublier, j'ai promis de te donner des renseignements importants, non? Ah, encore une Poképlace. Oui, merci. Allez, adios. Bon, et en attendant les Pokémon sauvages, ah bah, là il se passe quelque chose. J'allais dire, en attendant les Pokémon sauvages, on va faire des combats. D'après toi, que va faire le patron maintenant? J'en ai marre de tout ça, mec. J'ai envie de me poser quelque part. Et arrête de te plaindre. Tu sais ce que le patron dit tout le temps? Un jour, on sera à Team Disco et on aura tous les Pokémon du monde. Team Disco. Bien sûr, tu crois vraiment qu'on réalisera un truc comme ça? Ah, patron! Oh, Piu, c'est qu'un gamin, tu m'as fait peur en t'approchant, toi. Sois pas si nerveux, j'ai mon radar. Si le patron vient dans le coin, on le saura. Ah oui, c'est vrai. Le voilà. Le radar a un signal, c'est le patron du nouveau disco. Ah, il fait une moonwalk, c'est Michael Jackson. Oh la touffe. Il est horriblement moche. Si vous êtes d'accord avec moi les gars, dites-le moi dans les commentaires. Il est moche. Oh oh oh, salut les mecs. Vous avez ramassé des Pokémon comme je vous l'ai demandé. Hein? Arrêtez la musique. Sniff, oh oh. Mais c'est l'odeur agréable des Pokémon. Oui, c'est bien ça. Tu es un petit garçon ou un dresseur? Ça te dirait de rejoindre ma bande? C'est ça, ouais. Non. Ha! Je savais que tu répondrais à ça. Je l'ai senti depuis le début, tu vois. Tu étais notre ennemi. Et moi, les piquants, je les arrache sur la tige. Ha ha ha! Je vais te montrer ma puissance, tu risques d'être soufflé par ma classe. Mais tiens bon. Musique. Oula, ça sent le combat là, les mecs. La musique. La musique disco. La musique elle est sympa, mais le bonhomme il est moche. Flamish. Ah, je sais pas si ça sera très bien parce que c'est un petit peu de haut, je trouve. Pas parce qu'il est vert. J'aurais peut-être dû tout mettre sur le même d'ailleurs. Ouais, j'aurais dû faire ça. Tout mettre sur le même. Qu'il y a des Pokémon obscurs. Tellement il est doux. Le dresseur de ouf. Avec sa grosse touffe. Mais comment il fait pour tenir debout avec ça, quoi?
Imaginez-vous avec ça sur la tête. Même les Jackson 5, ils étaient pas comme ça. Hein. Ils en avaient pas autant. Rouge et blanc en plus. Et il manque le bleu, hein, puis ça aurait fait le drapeau de la France. Le bleu sur la droite, là, c'était bon. Bon, bah, j'en suis encore sur... Je les ai toujours pas mis qu'à vous, mais c'est quoi ce Vince? Ah si, il y en a un au moins, c'est juste qu'il y en a plusieurs. C'est comme ça. Ok. Donc pour le tournoi qu'on a vu, on va aller le faire, mais je vais... entraîner un peu les Pokémon avant. Il pique des points de vie, wesh. Tiens, prends ça. Son Pokémon, il a sorti sa coupe de cheveux. Bon, par contre, je vais être obligé de capturer parce que c'est un Pokémon obscur. Ah oui. Mais quoi, en morsure? J'ai peur que ce soit trop puissant. Ouais, bon. Et lui, hurle nous. J'ai quand même 10 niveaux de plus que lui et tout, donc voilà, quoi. 10 niveaux et demi. Ouais, c'est bon. J'aurais préféré qu'il soit dans le rouge quand même. Comment ça, ça échoue hurlement? Wow. T'as juste à hurler. C'est compliqué quand même. Bon. Pokéball. Sinon je risque de le mettre KO, donc ça m'embêterait, hein. Faut que je l'attrape. Croisons les doigts. Les deux doigts, hein. Croisons les doigts, les mecs. C'est bon. Perdre du rythme, je peux pas, non j'y arrive pas. Il a réussi à se relever avec sa touffe. Oh toi, tu m'énerves tellement que je vois tout en rouge. Et ne crois pas que c'est fini. Attends, tu verras un jour avec mes super pas de danse, je te battrai à plate couture. Allez, courage, fuyons. Eh, hey, trop débile. Ah, il y a quelque chose là-bas. Je vais ramasser après. Je vais mettre tout ce qui me reste de ça. Ah, c'est le radar. Ah, comme ça, je saurais s'il est dans le coin et tout. C'était aux deux autres là, mais ils l'ont perdu. Qu'est-ce que c'est ça? Eden, je n'ai pas encore terminé l'analyse du disque ROM, mais j'ai quand même découvert quelque chose d'intéressant. Viens ici s'il te plaît, j'aimerais t'en parler. Faut que je retourne à Pyrite voir Net alors. Alors on va y aller. Ah mais s'il y a un Pokémon sauvage qui arrive entre temps, je suis mal. Il va fuir. Mais tant que je fasse la route. C'était là. Pyrite. Ah bah vous savez quoi, on va aller voir...
On va aller voir Net dans le prochain épisode. Pour le moment, je cherche des gens pour faire des combats. Moi, il veut bien en faire un. Yes, c'est bien. Cool. Tu vois, mes Pokémon, ils sont presque prêts à être purifiés. J'en ai au moins 3 là. Bientôt prêts. Donc, faire 2-3 combats là. Et Flamèche sur Tartal. Allez hop, d'un coup. Hein? Pourquoi il a pas mis le feu là? Oh! Je me suis fait avoir, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, bah, je vais te mentir puisque la mèche sur lui. Parce que les gens, ils aiment pas le feu. Donc, voilà, bah je vais plutôt mettre poursuite. J'ai du mal à prendre une décision. Hein. Ah, c'est tout. Oh, c'est pas grand chose ça. Ça nous fait au moins 2-3 rounds là encore. C'est quoi, je vais mettre le Pokémon haut que j'ai là. Non, pas ça. Pokémon. Voilà. Je vais lui lancer un pistolet à haut, ça va me faire du jeu. En plus, comme ça, il perd des trucs là, ça c'est bien. Alors, je vois une poursuite et là, ah il a même pas d'attaque, oh, oh, bah ouais ça, bah tant pis, hein. Je crois que ça va le faire quand même. Oui, vu qu'il est encore obscur et tout, ça va être compliqué quoi d'avoir des attaques haut. Oh. Voilà c'est bon, là ce poisson je le garde. Je le garde dans l'équipe. Oh. Oui, ouais. C'est triste, hein. Bon, allez, au revoir. À la prochaine. Pour un autre combat. Je vais aller voir ceux qui sont là. Là. Combat, s'il vous plaît. Combat. Ouais. Et dans les petites places là, moi j'attends que ça sonne. Et après, j'irai. Après, dans le prochain épisode, on ira voir Net. Et aussi, on ira faire le tournoi. Enfin, après, à moins qu'il se passe quelque chose qui m'en empêche, hein, mais on verra bien. Moi, dans ma tête, j'ai prévu ça comme ça en tout cas. Ouais, niveau 1, c'est bien. Cool.
Pourquoi t'es pas KO là? Tout ça pour mettre une franco-mètre. Bon, on n'y touche pas, hein, il brûle tout seul. Alors, je vais faire lui. Oh, mais c'est pas vrai! Le ton, il fait pareil. Tiens! Allez. Le niveau 28 là, cool. Le fameux Togepi. Et où? Va-t'en. Merci pour le niveau 28. Morsure. Et flamme. Oh là! Ah, je m'en doutais. Bon bah, j'espère que le flamme, ça va le mettre au d'un coup. Hein. Moi, j'ai envie de passer au dresseur suivant. Oh non! Il reste encore plein de points de vie. Bon, Noctali, tu t'attaques cette fois. Hein. Laisse-toi pas faire par la confusion. Vas-y, fonce. Fonce! Oh, mais il fonce pas, il se tape dessus. Bon, ça c'est fait. Ouf. Voilà, ça c'est fait. Oh, boule le fric! Encore. La remarque, c'est pas en faisant des combats que ça va vite. Il faudrait que je marche un peu. Une course à pied encore. Faire ça après. Là. Après ce combat-là, on a arrêté le combat. Hein. Alors. Je vais faire ça. Oh, ça c'est pas cool. Mystère! Je vais lui mettre un bon coup de flamèche dans les feuilles là. Ah, j'ai mis fin, c'est vrai. Alors, donc sur ici et le champ. Et voilà, ça c'est fait. Ah, c'était rapide, hein. C'était encore plus rapide qu'avec la demoiselle. Il va tomber par terre. Voilà. Là, il fait comme s'il s'est pris un poignard dans le corps. Bon, petite promenade pour notre santé. Tiens, bah, je vais soigner mes Pokémon en attendant. Là, ils sont un peu blessés. Ah mince. J'aurais peut-être pas dû finalement. Oui, ça fait mal. Une bande de types ont pris celui, la réceptionniste, en otage. Oh là là. Ah oui, bon, bah, ça, je reviendrai plus tard. Je suis désolé, hein, je crois que ça a foutu. Ah, en v'là. Ah non, ça, c'est pour purifier le cofond. On va y aller là-bas.
Hein, donc là, on a des choses. On a de la matière pour le prochain épisode, apparemment, les gars. Il va encore falloir s'occuper des méchants. En fait, je sais pas s'ils préviennent. Pour les Pokémon sauvages, là, parce que j'ai rien eu, moi. Normalement, ils doivent prévenir. Cool, ils sont tous purifiés, c'est bien ça. Je regarde un coup les mecs. Ah! Je suis allé trop vite. Là, je vais purifier Pokémon. Et je vais mettre là où on était. Je vais peut-être aller voir les Pokéblasts avant. Et après, on va en rester là pour aujourd'hui. Alors, moi j'ai 3 Pokémon là. Ah, je commence par lui. Et plus je le garde dans l'équipe. Hein. Il faut un Pokémon aquatique, mais quoi. Je m'en rappelle pas du tout en quoi il évolue. Hein. Régénération, non, pas de surnom. Bah, mignon. Je vais déposer dans le PC et je vais au centre Pokémon du coup, pour les soigner les Pokémon. Je savais qu'il y avait des trucs pour soigner Pokémon là où j'allais, mais j'ai fait demi-tour parce qu'il se passait des choses. Donc, voilà quoi. Après j'ai le choix de soit commencer le prochain épisode par le tournoi Pokémon, soit s'occuper des méchants directement. On verra la décision d'Eden. Alors je vais déposer du monde. Bon, juste deux Pokémon. Ah, j'aurais dû faire déposer là. J'ai pas les bons réflexes. Voilà, déposer. Ah non, non, c'est pas lui que je voulais déposer, c'est lui. Retirer. Mais non, mais pas résumé. Retirer, je veux. Voilà. Et on va y soigner. Cette musique là. Au revoir madame, merci beaucoup. Donc là je vais voir une Poképlace là parce que ça me paraît bizarre pourquoi ça sonne pas là. Putain, je me suis fait avoir, ils ont tout mangé je parie. C'est où le premier où j'ai fait là? C'était là le premier. Non, non, il n'y a vraiment personne qui vient en fait. Hein. Ils sont très gourmands les Pokémon là. Ils ont peur. Ouais, parce que si je m'occupe des méchants et puis qu'ils arrivent à ce moment-là, bah c'est mort quoi. Parce que le temps de faire demi-tour.
on verra. Donc, on sauvegarde et je propose qu'on commence par là, le prochain épisode.